Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, très très bien aujourd'hui d'ailleurs. Je viens de me réveiller, je lance l'ordi et je lance direct Far Cry 6 les gars. Donc voilà, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre incroyable aventure. Nous sommes de retour à Konuko dans le village de Concepción pour aller voir Yelena. J'ai très très hâte de la mission qu'elle va nous donner parce que là on va vraiment bien avancer. J'espère que vous avez kiffé le dernier épisode et j'espère que vous allez kiffer celui-ci. N'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager, évidemment. Ce n'est pas de la 4K, mais ce n'est pas de la 1080p non plus. Vous avez vu depuis le début, c'est de la 1440. J'essaye vraiment de faire au mieux pour avoir une belle qualité. Et donc voilà, salut ma belle. Grâce à toi, les défenses de Benitez sont disséminées à travers LST. C'est le moment idéal pour attaquer son QG. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de soldats il y a. Bon, voilà ce qu'on va faire. Toi, la morale, les vieux et ce char, vous allez accéder à l'île discrètement. On utilise ce char rouillé pour créer des brèches dans le fort. Ensuite, on tire jusqu'à ce que Benitez soit morte. Elle a dû prévoir tout un tas de scénarios d'attaque, mais je suis sûre qu'elle n'a pas prévu qu'on amènerait un char sur son île. Oh bah c'était rapide pour une fois, je suis chaud de ouf, on va attaquer et abattre l'amiral Benitez avec notre ami Carlito. Carlito c'est le char, hein. je vous rappelle le petit tank. Let's go. J'ai indiqué le rendez-vous avec El Tigre sur ta carte. Avec grand plaisir, et ça fait plaisir vraiment, on avance parce que... Elle est où d'ailleurs? Normalement on la voit. Ah voilà elle est là, Admiral Benitez, elle va crever, ça va être la prochaine sur la liste, quel bonheur. Mais nous allons nous rendre ici. Avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, on va pas se prendre la tête. On va se téléporter directement au poste de contrôle. Je me permets de le faire. C'est toujours plus sympa de se balader, mais là, ça nous fait perdre moins de temps. Et surtout, en fait, il fait nuit. Et souvenez-vous que dans le village où nous sommes, il y a un couvre-feu. Donc j'ai un petit peu la flemme de chercher les ennuis pour pas grand-chose. Je pense qu'on va en avoir assez hein, durant cet épisode des ennuis. Voilà. Eh bien, c'est parti. On a encore 500 mètres devant nous. Parler à El Tigre pour lancer l'attaque. Ils sont sur une plage à la pointe sud de Sierra Perdida et se préparent à attaquer. Attends, me dis pas que du coup, c'est cette île qu'on va attaquer. Fort Fontana. Attends, j'ai peut-être pas tout compris, mais si c'est cette île qu'on attaque, c'est fort rigolo parce qu'on l'a sécurisé dans le dernier épisode. Ça va les chiens? Je sais pas, on va voir. De toute façon, on va se laisser guider, on va se laisser bercer. À rappeler tout de même que dans le dernier épisode, on a appris concrètement que à la fin de la série, quand on va probablement se mettre en place, qu'on va faire un coup d'état finalement, hein, à la fin, on va quand même attaquer le dictateur. Bon, bah clairement, on va se faire bombarder. Ça risque d'être assez épique. Parce que de toute façon, Far Cry, hein, c'est bien connu pour que ce soit épique les fins à chaque fois. Far Cry 3, je me rappelle plus exactement. En vrai, Far Cry 3, c'était pas épique la fin. Enfin si, mais c'est pas épique dans le sens action, il me semble. Tandis que Far Cry 4, c'était intense. Par contre, Far Cry 5, c'était le bordel à la fin de la série. Donc je pense que Far Cry 6, ce sera également le bordel. Alors attends. On va se calmer là, les gars. Je suis venu en paix, hein. Salut El Tigre, ça va le rouilla? Ah oui, faut pas avoir peur hein. Vas-y parle-moi, y'a plus personne, c'est bon. Ah c'est toujours aussi relou ça hein. On ne peut pas parler parce que nous sommes en temps de guerre, c'est bon. Je n'attendais plus que toi, mon bébé tigre. Une grosse bataille s'annonce. Je suis contente que tout le monde s'entende. C'est grâce à toi. En 67, c'est Santos qui rassemblait les gens. Aujourd'hui, tu as le même don. Alors, je suis Santos? Non! Tu es moi, le point! Bref, avant chaque mission, je m'imagine en train de la réussir. Alors j'y arrive. Voilà. Je viens de m'imaginer en train d'anéantir la marine. On y va? Les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes toujours pressés. Profite de l'instant. Le monde aura changé dans quelques heures. Wouhou! Ça va être trop stylé, les gars! Guerriers, à l'attaque! Allez!
Allez, c'est parti! Viva Libertad! N'oubliez pas de bombarder les pouces bleus! Faites la guerre dans les commentaires! Faites la guerre dans les commentaires! C'est parti! Ferme-la, Benitez! Tu vas crever comme tout le monde! Le moment est venu de leur montrer la puissance de l'armée de Yara! Je suis un peu occupé là! Je tenais à te remercier pour avoir ouvert les yeux sur Castillo. Lorenzo, ta gueule! On n'aurait pas pu en parler avant! Avant un combat, je suis comme interdit. Mais une fois dans Carlito, quand les balles résonnent, tout devient clair dans mon esprit. Génial, Lorenzo! Dois y aller! Wow, wow, wow! Contrôleur, comment se battre contre Yaran? On s'en fout! Je veux que cette plage soit recouverte par le sang! On va tout péter! On va tout péter! Celui qui me remportera la tête d'El Tigré aura droit à une médaille! Allez! On y va, on rentre! Donc c'était bel et bien ici hein, qu'on était dans le dernier épisode. Cette bataille va entrer dans l'histoire. C'était pas aussi sécurisé hein, dans mes souvenirs. Hein. Ça va Lorenzo? Tout va très bien. Et Carlito aussi. C'est comme retrouver un amour perdu. C'est un peu dégueu. Vous savez quoi faire. Aïe, 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 c'est aïe, comme aïe. À l'entraînement. Ouais bah ils ont pas l'air de virer là tes soldats ma sœur. Hein. Hop, regarde. Oh. Ça dégage. Waouh. Ah j'ai faim. Il fait chaud hein. Vous allez rien faire. Je ne sais pas combien de temps Carlito tiendra à Dani. On couvre El Tigre et moi. T'inquiète Carlito c'est un bon. Allez Carlito. Agrrr, elle grogne. Agrrr. On y va. Donnez-moi des infos. Tout de suite. On couvre El Tigre et moi. Continue à viser le fort. Oh non. Dani, tout va bien? Ça va. Vous passerez pas par là. Je vais m'occuper de Benitez. Ok. On cherche une autre entrée et on te retrouve aussi vite que possible. Non mais attendez. C'est un escape game. Guerra est entrée. Trouvez-la et tuez-la. Mais non mais moi je veux pas faire d'escape game. Ah, des munitions. Soit vous vous occupez de la guerrière à l'intérieur, soit des guerrieros à l'extérieur. Ça dégage. Oh non! Aïe! Allez, faut que je passe. Excellent. Je suis passé. Ce char était leur principale arme. Ils maintenant, ont détruit le char. On va tuer ce guerrier de Foyaran. Suivez la procédure. Ah non, ils ont tué le char, les gars. Ça, c'est vraiment pro nice. Ah, l'amiral. Ah non, c'est pas l'amiral, ça. Ils sont un petit peu aveugles, là. Vous êtes cons ou quoi? Vous allez tous mourir ici. Et j'enverrai moi-même vos corps à Castillo. Oh non, non. Oh non, non, non. Pas le gaz toxique. Ah non, je ne veux pas mourir, ça pas comme ça. Fini. J'ai pas de carte. J'ai pas de carte. Comment je fais? Faut que j'empêche le gaz toxique d'être rejeté ici. Comment? Ah. Eh ben, je saurai jamais. Je vais crever. Fermez une vanne. Ok. Fermez une vanne, très bien. Allez, j'y retourne. Hop! Vite! Allez, ma sœur, tiens le coup! Moins un! Hey, ne fais pas ça! J'ai crevé. Je suis mort. Allez! Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Prends ton temps. J'ai failli crever. Faut encore fermer la valve. J'ai plus de médicaments, je peux plus me soigner. Donc, dans tous les cas, je suis dans la merde. Ah non! C'est bon. C'est bon, on peut se soigner. On prend notre temps les gars. Et on y va, c'est parti. Par là. Par là. Voilà. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Oh, je vais m'occuper de toi. Vas-y, fais le malin.
Je suis encore en train de crever là. Allez. Allez. Mets-toi en sécurité. Y'a plus de poison là, allez. Attendez, je peux aller là. Ah non. Je pensais. Bon, le corps m'emmerde hein. Voilà, je peux pas passer là? Non, très bien. Allez. Bon bah y'a toujours du poison. Je sais toujours pas comment rentrer. C'est une blague. Comment tu stoppes le poison, frérot? Je comprends rien. Je vais tout péter. Oh. Ah, j'ai pas compris. Je sais pas ce que je dois faire, je suis dégoûté. Ça casse toute la dynamique du jeu. Bon bah j'ai crevé comme une merde et puis tant pis. Je vois pas comment faire donc j'ai pas de clé, j'ai rien. Je sais pas où je dois tirer. Ça n'a aucun sens. Non, c'est complètement con. Bon allez, adieu Dani hein. Tu veux pas m'aider Putain mais c'est une blague. Ok, faut que j'aille là-haut. Faut que j'aille là-haut. Ah, c'est compliqué hein. C'est pas facile, veuillez m'en excuser. Faut bien une phase un petit peu relou, parce que sinon le jeu aurait été trop parfait. Comment je monte? C'est ça la vraie question. Là. Ah, je suis aveugle hein. Je suis aveugle aussi hein. Voilà. Et là ça s'arrête instantanément. Ça ne devait pas se passer comme ça. Eh ouais ma soeur. J'ai été plus fort. J'ai été plus fort. Je vais quand même crever là. Allez, on y retourne. Et heureusement on a un médicament à l'infini quand même. Bon. C'est bon. C'est toujours pas bon. Il y a une valve là-haut aussi. Ok, en fait, il y a plusieurs valves. Oh là 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 là. Ça ne s'arrête jamais, donc. Vous allez voir 4 valves au total, ça doit être la dernière. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Ça va le faire. Faites-moi confiance. Enfin, ça va le faire de rien du tout, mais... On y croit, il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire. Croire en ses rêves. Allez. C'est par là. Hop. Et ici. Comment elle a pu atteindre toutes les vannes? Je vais devoir tuer moi-même. Bah vas-y, viens. Venez me tuer. Comment ça, j'ai aucune chance? Ouais, ah, t'étais peut-être un peu trop confiant. Hein. T'étais un peu trop confiant. Allez, retrouvez l'amiral. J'arrive. Eh ben voilà. Hey, bébé tigre, t'es toujours là? Oui. Et on dirait bien que la mort m'attend à chaque putain de tournant ici. L'essentiel, c'est de savoir lui fausser compagnie. D'accord, El Tigré. Ouais. Je peux aller là, ça y est. On récupère des munes. Amiral Benitez, merci de m'avoir confié la mission de vérifier le système de filtration de l'air du fort. Je suis honoré de pouvoir mettre mon expertise. Vous oubliez, le Seigneur Mackay nous a offert l'un des systèmes les plus bas de gamme du marché. Ah oui, vous aviez raison, les soldats postés en ces murs pendant plus de 2 semaines déclarent des troubles respiratoires. Le système de filtration actuel étant susceptible de tomber en panne. C'est pas facile en effet. Et on a pu témoigner les conséquences. J'ai récupéré les clés, il était temps, hop, on va pouvoir aller là. Enfin, ça fait du bien d'avancer. Salut les rouillas! Ferme-la! Ouvre ma cellule! Oh. Tu peux le faire depuis la salle de contrôle! Ok, je pourrais alors. Je vais vous ouvrir, vous inquiétez pas. Yo! Ils sont plus là. Hop, on ouvre. Vas-y! Libère les Foyaran! Ils vont mourir! Comme toi!
Ah, j'ai cru que c'était un piège. J'ai cru que c'était un piège. Merde. Pour ce genre d'attaque. Oh non. Non. Oh non, c'est pas cool. Putain, tu as douté à mon... Adieu. Aïe. Bon bah malheureusement, j'aurais pas dû les libérer. Ils sont morts, les pauvres. C'est triste. Embuscade. Bien joué les gars. On va y arriver. Je crois en vous les gars. Putain, dans le dernier épisode, il y avait pas autant de monde hein. Oh non. C'est un vrai couloir. Vous avez l'avantage ici. Ok, on a trouvé le bureau. Elle fait la maline, elle va crever, hein, salope là. Je veux voir tous les guerriers rossements. Ici les 5 prochaines minutes. Une communauté. Elle a peur, elle commence à avoir peur là. Aïe. C'est pas vrai. Foutez-moi la paix. Voilà. Bon, ils sont où tes renforts là? C'est un peu ridicule. Oh, elle a fermé. Elle a verrouillé la salope. Ouais, elle se planque. Ouais, je suis bien d'accord. On va faire sauter là. Oh bah voilà. Eh, hey, je suis un boss. Je suis un putain de monstre. Allez, adieu Benitez. C'est la fin pour toi. Encore. Vas-y, tire. Ah, j'essaye. Ah bah c'est du résistant ça. Je reconnais la marque. Solide, impossible de l'ouvrir. Comment ça impossible de l'ouvrir? Ok. J'ai l'impression qu'on peut pas. Ces enfoirés vivent leur dernière journée. Putain, ouais. Y'a encore un gars. Y'a encore un gars, je sais pas où. Ah là. Là, il y a encore un gars, les gars. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Eh bah, regardez. On va faire ça plus simple. Reculez, merde, les gars. Et putain, attention là. Bah, oui. Bordel. Ok. On va peut-être pas essayer le supremo. Comment on peut faire? Je pense qu'il y a un autre accès. Hein. Je pense qu'il y a un autre accès, pour être très honnête avec vous. Donc, on va quand même faire le tour. Enfin, ça me paraît assez bizarre. Surtout que oui, je vois pas d'autre accès. Ah ! Attendez, il y a forcément... Non. Ok. Même un char ne servirait à rien. J'ai une idée. Les canons, on dirige les canons vers l'intérieur du fort. Je vais synchroniser les canons pour qu'on la fasse sauter. Non mais tu déconnes. En fait, j'étais trop rapide. Les gars, j'étais trop rapide. J'étais trop rapide en fait pour le jeu. Allez. Ah, il y a des renforts. Où ça, frérot? Ok. Ouais, je peux pas faire grand chose du coup. Ouais, c'est éclaté au sol, hein. Je peux rien faire. Hein. Voilà. Franchement, très impressionnant comme gameplay, les amis. Allez! Hop! Quel bonheur! Ça dégage. Pas l'air d'avoir d'hélicoptère. Bon, allez, on défonce la porte un peu là-dedans. Et franchement, une porte aussi blindée que ça, je l'avoue. Hein. Allez, c'est bon, ça me casse les couilles là. La merde, ce gameplay. Je peux faire largement sortir. Attends. Ah, c'est peut-être pas aussi facile finalement. Attends, on va réparer.
Voilà. Faut défendre le canon. Ah oui, en fait, je devais même pas rentrer, en fait. Je peux même plus rentrer, les gars. Excellent. Bon bah voilà. Ça passe. Bon venez les gars, j'ai des cadeaux pour vous là. Là je suis dans la merde un peu là. Cadeau. C'est magnifique. Un magnifique spectacle. Ah bah c'est bon, c'est fini. Voilà, Yelena a piraté les canons. Ça va péter. Un tir de canon. Enfoncez la porte de bureau. Ok. Ok, il faut que je grimpe dans le canon. Attends, mais... Il faut savoir ce que vous voulez maintenant. En plus, il faut que je répare. Aïe 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 aïe. Ah, il prend cher le canon là. Allez. Bah ouais, mais à chaque fois que je répare il pète. Allez allez allez. Voilà. Et là je peux rentrer vite vite vite. Je peux plus rentrer. Dépêche dépêche dépêche. Voilà, comment rentrer ? Non mais c'est... Hey. Je ne peux pas rentrer les gars. C'est un putain de sketch ce jeu de merde. Non mais là par contre c'est un sketch. Bon allez, on va les tous saouler. Alors, pour le moment c'est... Franchement, la mission est éclatée au sol. Hein. Je suis désolé mais là maintenant... What ? Non mais c'est une blague. Ah ouais, non mais là c'est chaud. Là ça va être très compliqué de me satisfaire. Commencez à me casser les couilles. Vous commencez à me casser les couilles. Je vais vous chercher là. Ça y est, je vais vous chercher. Ça servait à rien. Voilà. J'ai plus de munitions, j'ai plus rien. Quel bonheur. Quel bonheur. Allez, c'est bon, c'est tranquille là. Je peux. Je peux éventuellement jouer. Allez. Réparer. Oh. Allez. Voilà. Allez, je veux rentrer maintenant. Mais c'est pas vrai. Tout est bugué. Je ne peux pas rentrer dans ce putain de camion de tes morts. Enfin, de canon, pardon. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Allez, on y va. Et voilà, en un coup, c'était réglé en plus. Allez, n'importe. Allez, c'est bon. Eh, tu sais quoi? Je vais arrêter de me plaindre, on en parle après. Allez, c'est parti. Go, go, go. Toi, par derrière. Hop. Je tuerai tous ceux qui entreront ici. Ah, vas-y, tire-nous dessus, y'a pas de problème. Je vais te buter au petit flingue. Oh merde. Hop. Terminé, ma soeur. C'était qui que t'avais en otage là? Oh. Adios, Benitez. Œil pour œil. Il va à la morale. Dans Benitez. J'y serais pas arrivé sans toi, Danny. C'est pas très malin. Ne la laisse pas comme ça. Pourquoi? C'est tout ce qu'elle mérite, cette garce. Tu as tué un soldat formidable. Mais le problème avec les soldats, c'est qu'il y en a toujours plus. Oui, maman. Mêmes erreurs. Nouvelle tête. Vous êtes aigri car votre révolution est passée et que vous n'avez eu qu'une putain de montagne. Profite de ton trophée. Réserve privée de Benitez. Hein? Salaud. Fini les photos. Victoire, Danny. Je suis plus bébé tigre. Non. Danny Rojas sera plus célèbre qu'El Tigre. Et tu sais pourquoi? Parce que ta guerre aura une putain de fin. Viva la morale! Ouais! Viva la morale! Voilà! Lui, il croit en moi, il croit en nous depuis le début. Alors que la mémé, elle sert à rien, la mémé.
La mémé, elle peut tout de suite aller crever. Non, pardon, excuse-moi. Non, mais sans déconner. C'est trop, c'est trop. Une de moins, ça fait plaisir. Oh, y'a rien de plus excitant que ces prisons du tiers-monde. Comme vous le voyez, monsieur McKay, tout est sous contrôle. Ah, un peu de dissuasion, j'adore ça. Est-ce qu'ils sont coupables? Tout le monde s'en fout. L'amiral était un agneau. Elle n'avait pas assez de cran pour s'occuper des terroristes. Je souhaiterais que vous puissiez étendre vos opérations. Vous m'avez convaincu. Vous êtes une légende? Ouvrez la cellule. Sauf votre respect, elle présidente. J'ai dit ouvrez! Vous étiez avec Santos Espinosa lors de la révolution de 67? J'ai franchi les portes du Capitole avec un char lors de la bataille d'Esperanza. J'étais là quand on a tué ton grand-père. Je l'ai vu crever. Vous aviez quoi contre lui? La seule chose qu'un Castillo ait fait pour Yara, c'est violer ses terres. Et tu feras la même chose, petit. C'est pas vrai. Menteur! Si tu défais ces liens, je mettrai mes mains autour de ton petit cou et sauverai Yara d'un Castillo de plus! Où tu peux faire plaisir à ton pays, en mettant fin à tes jours. Il faut qu'on fasse soigner ta main. C'est pas le mien. Petit Castillo devient grand et ça me fait peur. J'ai pas envie de tuer Diego, mais j'ai pas envie qu'il dirige le pays non plus. Voilà, voilà. Eh ben, toujours aussi sympa ces cinématiques. Moi je kiffe et j'espère que vous aussi. N'oubliez pas le pouce bleu si c'est pas encore fait, prenez le temps de le faire. Regardez le temps du chargement, vous pouvez juste descendre et hop, le petit pouce bleu. Présence militaire accrue. Pas de problème à ce niveau-là. Range ton arme quand même, on est en village, espèce de... Range ton arme. C'est pas vrai ça. Parler à Yelena. Présence militaire accrue, qu'est-ce qu'il y a? Ça va augmenter les niveaux, c'est ça? Allez. Niveau 9-8. Niveau 8-8. Niveau 10. Niveau 12, Esperanza. Niveau 11 pour Barial, on n'y est même pas encore allé. Niveau 8 et 11. Et niveau 9 et 8. Ici, c'est encore l'endroit le plus safe, hein, en vrai. C'est vrai qu'ici, c'est l'endroit encore le plus safe. Allez, Benitez, elle est morte! Commandante de la marine, il ne reste plus que McKay, ce gros bouffon. Hein, ordure à cravate, clairement. Et puis, notre ami Marquesa, évidemment, ministre de la Culture. Bien sûr, Antoine Castillo, mais je crois que c'est tout, quoi. Il reste plus que eux. Non, mais c'est vrai, en plus. On a juste deux gars... deux personnes à buter. Enfin, trois au total, quoi. Alors, si on compte pas Diego, mais Diego, je pense pas qu'on va le... Eh, l'avenir de Yara dépend de lui, hein, c'est clairement écrit. Le paradis de Castillo repose sur la tyrannie. Hein. Donc, je sais pas comment ça va se passer et j'ai très très hâte. Par contre, j'ai remarqué un truc. Juste, on s'en fout, mais... c'est où? Il y a un endroit où c'est niveau 1. Excusez-moi. Oui, c'est ici, c'est l'archipel de Zamok. Ah bah oui, c'est safe ici. C'est totalement safe. On a Juan, évidemment, qui veut les joujoux. Nous vendre ses joujoux. Et là, donc, elle est là-bas, Yelena. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On continue avec Yelena ou... Eh, non, vous savez quoi? Et déjà, on va pas s'en arrêter là, j'ai envie de vous régaler. On va retourner voir notre amie Talia. Notre amie, c'est vite dit. Hein. C'est vite dit, mais on va aller retourner là-bas, les amis. Ça faisait très longtemps et du coup, ça n'a pas de lien avec ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est en parallèle. Mais si ça peut nous permettre de bien avancer, ben, on dira pas non. Bien évidemment, donc on va aller la voir, notre sœur. Peut-être qu'on va faire un concert, je sais pas encore. On va voir. Va bien? Dani, tu fêtes encore notre putain de victoire contre la marine de Castillo? Moi? Oui. Pas vraiment, mais j'ai l'impression que je devrais. Carrément. On va se faire ça, Dani. Viens boire un verre chez Chuchi. C'est à l'ouest de la baie de Concepción, au nord du grand hôtel Caballero. Ok, Yelena. Ah, j'aurais dû y aller en fait, c'était pour fêter un petit peu. Ah, c'est bien dommage. Bah c'est pas grave, ce sera un épisode chill. Et encore, je suis pas sûr, à mon avis ça va partir en couille. Place à la fête. On fera la fête, les amis, dans le prochain épisode. Ça vous va? Allez, on fera la fête, mais d'abord, on va enchaîner les victoires. Clara, aujourd'hui, Yara a retrouvé un peu de liberté. L'amiral est morte. C'est un sacré choc pour l'armée. Anton va chercher à se venger, méfie-toi. Comme toujours. Apparemment, les soldats de Castillo désertent en nombre. Qui sait peut-être même qu'il va se rendre. Là, tu rêves, Clara. Mais oui, carrément. Paolo est encore débordé, hein.
T'imagines, s'il se rendait dictateur, ce serait incroyable. Allez, wesh wesh canapèche. Oh, Paolo est parti, mais faut que je hurle. Toi et moi, on va s'en prendre directement à Maria Marquesa. J'attends ça depuis trop longtemps. D'abord, son ministère de la culture. Bah let's go, let's go les gars. Attendez, attendez, c'est mon frérot. Allez, on y va, on y va. Eh les gars, on va se faire deux grandes têtes dans le même épisode. Vous vous rendez compte? Détruisez. Attendez, on va demander une voiture. Oh, j'ai des nouveaux là. Super, on va se prendre. Ah, j'aime bien le 4x4 Tsukudo. Détruisez les camions et panneaux publicitaires de Maria et attaquez la distillerie de Rome Marquesa. Oh les gars, on va buter Marquesa aussi là. Ce serait incroyable. On a fini le jeu dans cet épisode, je vous le dis. Hein. Par contre, avant de se mettre dans la sauce, on va mettre un petit GPS quand même. Eh oui, parce que tu vois déjà apparemment je pars du mauvais côté. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Est-ce que je vous l'avais dit que j'avais eu des problèmes de droit d'auteur durant cette série? Je ne sais plus. Mais sachez que les radios à la radio, c'est terrible. J'ai eu beaucoup de problèmes de droit d'auteur. C'est un enfer. Voilà. Hey, je t'envoie une photo des camions de propagande de Marquesa. Désolé que tu dois voir sa tronche. Raison de plus pour les démolir. J'en peux plus d'entendre sa propagande depuis que Castillo est aux commandes. Défonce-les, Danny. C'est une petite coquine, Danny. C'est une petite coquine. Bah ouais, non mais t'es conne toi. Complètement conne la cabronne. Eh la cabronne. Bon, elle m'a envoyé une photo là. J'ai pas de photo là moi sur mon téléphone. Elle a dit qu'elle m'enverrait des photos. Et pourquoi c'est déjà à 25% là, détruisez les camions et panneaux publicitaires? Ah, parce que j'avais déjà détruit des panneaux publicitaires. Souvenez-vous les amis. Mais bien sûr, on s'était amusé dans un épisode où on faisait n'importe quoi, on avait détruit plein de panneaux. Eh ouais, c'est vrai. Ah, c'est plutôt cool. Bon. Eh bien, on y va. C'est pas la porte à côté. J'aurais pu me téléporter, mais pour une fois, c'est bien de se balader. Hein, on s'est suffisamment téléporté aujourd'hui. Je pense qu'on continuera de se téléporter, donc autant en profiter. Comment on klaxonne de nouveau? Non, c'est pas ça. Bah, je sais plus comment on klaxonne. Hein. C'est assez terrible. Poste de contrôle? Attendez, il est à nous là? Ah oui, Libertad, regardez. Eh, tout est à nous ici là. Ici c'est chez nous. Hop, bam, 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 je défonce tout chez moi. Hein. De retour au Novant Tarmas. Alors on va faire gaffe à ce tank. Quand même. Soyons pas trop gourmands. Et on arrive. Oh oui! Souvenez-vous, c'était trop stylé là. C'était là qu'on m'appelait le SAMU. C'était là qu'on avait sauvé bah, plein de gens. Là, il y a le rond-point ultra stylé. Mais en fait, on est à côté de d'Esperanza. Hein. J'avais pas capté. Mais on est... Ah oui, on est carrément à côté d'Esperanza, en fait. J'avais pas capté. Ça va partir en coucouille. Hop là. Je vis avec le danger en permanence. Hein. Vous l'aurez compris. Allez, on va couper. On va couper. Ah, là, il y a le jardin botanique. Je crois, hein, de mémoire. C'est pas là. Ah, c'est là. Ah, c'était pour vous impressionner, les amis. On va continuer à pied. Ouais. Donc là, c'était le jardin botanique. Et on n'a pas le droit d'y aller. Par contre, j'ai plus de munitions. En vrai, depuis tout à l'heure, j'ai plus de munitions. On rigole, mais on voit pas le fond de la Nicole, là. Oh, c'est vraiment joli, hein. C'est vraiment joli. J'aimerais trop que ce soit à nous, là. Qu'on puisse se promener là dans ce jardin. Pourquoi? C'est magnifique. Pourquoi vous laissez pas ça au peuple? Tu vois? Alors toi j'ai envie de te descendre. Non attends, par contre ça je ne peux pas laisser ce genre d'incivilité. Ah mais j'ai plus de mine. J'ai intérêt à faire gaffe. Non mais c'est surtout qu'il y a un gars juste là. Voilà. Allez, fuis! Crois en tes rêves! Crois en tes rêves! Allez, on continue. Ni vu ni connu. Je trouverai ça sur la route principale près de Novant Tarmas. Attends.
D'accord, il faut que je détruise tous ces panneaux-là, en fait. Ah, oui, mais bien sûr. Mais le problème, c'est que j'ai pas de mune. J'insiste, je n'ai pas de mune. Vous croyez qu'il va me voir, lui, là-bas, si je l'assassine? Attendez, parce que... La question est légitime, mais est-ce qu'il va me voir? Oh merde. En tout cas, il m'a pas vu, lui, hein. Ils ont pas vu. Par contre, j'ai pas plus de munitions, hein. J'ai pas plus de munitions. Munitions pistolet. Ah ouais, mais moi j'en ai rien à péter. Moi il me faut des munitions pour mes armes, hein, parce que je vais jamais m'en sortir. Bon allez. Donc 25%, retenez bien. Yes, ça n'a pas vraiment fonctionné. Bon bah écoutez, on va suivre le chemin. Je pense que le problème c'est que je suis tellement rapide. Vous l'avez vu, hein, dans la mission précédente. Je vais tellement vite là où il faut que du coup l'objectif n'est pas encore en cours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va aller jusque là-bas et on verra bien ce qui se passe. Et puis s'il me dit qu'il aurait fallu que je détruise les panneaux sur le chemin, et bah tant pis. Ouais c'est ça. Allez, on y va, plus que quelques mètres. Bon, on se les parcourt à pied, c'est toujours le petit plaisir quotidien, hein. Mais ça fait du bien un peu de se promener aussi dans toute cette verdure. Ça fait durer un peu le plaisir. Je te passe devant. Je vis avec le danger en permanence, j'ai dit. Donc là, on est à la distillerie de rhum Marquesa. Le rhum de Maria. Ça va faire du bruit. Ok. Une caméra. Bon, on va faire ça en priorité. Et puis on verra pour les panneaux publicitaires plus tard. Je pense que ça, c'est plus intéressant. Ça va être galère. Lance-flamme. Alors, les renforts. Là. Un sniper. Un sniper? Ou je l'avais pas vu. J'ai une alarme en joue, mais j'ai pas la deuxième. Ce qui est toujours embêtant, c'est que si une alarme est cassée et qu'ils le voient, eh ben ils sont en alerte et donc ils me voient à tout moment et ils appellent les autres renforts. Et surtout, je n'ai pas de munitions. Je le rappelle, j'ai complètement oublié. Je n'ai pas de munitions. Non, mais attendez, c'est un sketch. Comment on fait pour avoir des munitions, les gars? Non, les gars, comment on fait? Je me suis jamais posé la question jusqu'ici parce que j'ai jamais eu de problème. Ah, il faut que... Oh non, il faut que j'achète un atelier ou un truc comme ça. Y a pas un atelier juste à côté, là? Oh, là, il y en a un, là. On fait un détour. Attendez, regardez ce qu'on va faire. Ça va aller très très vite. Je peux pas faire de largage aérien. Là, je peux. Là, je peux. Allez, on fait un largage aérien. On va au ravitaillement. On se prend des munes. Parce que là, j'avais complètement zappé ça. Alors que je vis avec depuis tout à l'heure. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, ça fait un petit peu durer le plaisir. Ça fait durer l'épisode. Et j'espère que ça vous fait kiffer. Puis vous voyez, ça va pas faire perdre beaucoup de temps, étant donné que bon, bah... Je t'envoie une photo des camions de propagande de Marquesa. Désolé que tu dois voir... Tu m'as déjà dit, tu m'as pas envoyé. Raison de plus pour les démolir. J'en peux plus d'entendre sa propagande depuis que Castillo est aux commandes. Défonce-les, Dani. Mais tu me dis ça, mais tu m'envoies pas. Talia m'a envoyé des photos. Ah, cette fois elle me les a envoyées? Ah bah quand même! Elle les a enfin envoyées. Donc ça c'est tous les machins que je dois casser. Bah oui, bien sûr. Yarano. Ok, tous les trucs qu'il y a. Ah, c'est pour ça que ça a pas marché là-bas. C'est tous les trucs où on voit la meuf en fait. Très bien. Allez! Ouais, je suis désolé vraiment pour mes éternuements, c'est assez pénible. Échange de matériaux. C'est pas comme ça qu'on fait pour avoir des munitions? C'est pas comme ça qu'on fait. Oh, comment on fait pour avoir des putains de munitions, les gars? Supremo, arme principale. Non mais les gars, comment on fait pour avoir des putains de munitions? Non. Vous allez me prendre pour un connard. Pourtant c'est quelque chose qu'on doit savoir depuis toujours. Bon bah c'est pas ici qu'on a des munitions. Ah bah j'ai récupéré des munitions. Attends, me dis pas qu'en me téléportant tu récupères des munitions quand même. Le jeu est quand même vachement bien fait. Bah je crois bien. Je crois bien que en se téléportant tu récupères toutes tes munitions. Et bah c'est formidable. Tant mieux.
C'est exactement ce qu'il nous faut, on va pas se plaindre. Bon. Je disais qu'on perdait pas trop de temps, étant donné que on y va aussi en wingsuit. Magnifique. Ah là, il y a peut-être un panneau. Ah non, là, c'est pour dire poste... Même pas. Aïe salope. Malade, lui, ou quoi? M'a fait peur, en plus. Allez. Ça doit être un panneau de propagande. Maintenant que j'ai des munitions, on peut se faire plaisir. Voilà. Eh, on va pas y aller par 32 chemins. 40%. Allez. Et regardez, je fais profil bas, personne me recherche. Tu vois? Personne sait que c'est moi. Eh, alors on panique? Alors on panique? Ok, bon, ça monte vite, hein, on est à 40%, donc en vrai, ça devrait être assez facile. Mais d'abord, ça va faire du bruit. L'usine de Rome. Nous sommes de retour, donc. Attention aux flammes. Là, premièrement. Oh, lui, je l'avais pas vu. Le sniper qui je est. Te vois, sniper. Là. Là, il y avait du people. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a qu'une seule alarme? Non, je pense que de l'autre côté, il y en a une. Sniper aussi. On va faire le tour. On va prendre notre temps, on va essayer. Et franchement, les bases des FND dans les derniers épisodes, c'était catastrophique. On a tout réussi correctement, mais on s'était fait cramer. Donc là, si on a moyen de faire complètement infiltrer, ce serait stylé. Tant pis si on n'y arrive pas, évidemment, mais ce serait vraiment stylé. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule alarme. Ce qui serait génial, hein, mais ça me paraît gros quand même. Ça me paraît gros. Ouais, on... Voilà l'officier. Ok. Ah, il y a un camion à détruire là aussi. Il y a qu'une seule alarme, les gars. Il y a qu'une seule alarme. On a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Alors, eh ben, je pense que c'est pas le meilleur choix, apparemment. Allô? Voilà. On va faire ça comme ça. Je vais devoir faire attention. Évidemment, comme toujours. Là aussi, je peux détruire des choses. Ok. Eh ben écoutez, on va s'occuper de l'alarme. Regardez bien. Alors évidemment, j'ai pas accès à l'alarme. C'était fait exprès, hein. Bon, bah, on va sortir. Vous avez entendu ? Allez voir. Ta gueule. Je suis déjà cramé. Je me casse, hein. Je me casse. Je me suis déjà fait cramer par là. Donc on va éviter toute forme de violence. On a plusieurs entrées possibles, mais moi j'ai vraiment envie de détruire l'alarme et m'assurer qu'il y en a qu'une. Vous m'en voudrez pas. Je préfère faire ça comme ça. Je parais peut-être suspect à courir autour. De toute façon, entre nous, on est censé être suspect de base. Non. Alors. Non mais il y a tout qui bug ou quoi? Essayez d'appeler des renforts. Ok. J'ai aucune indication d'une alarme supplémentaire, donc ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Allez toi, bonne nuit. 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 Bonne nuit, c'est bon. J'ai un problème là. Range ton arme. Voilà. Ça, ça va nous poser un peu du tort. Bon, personne n'a rien cramé, j'ai géré là. Aïe! Je me suis pas trop mal débrouillé. On pourrait y aller en mode bourrin. Hein. Pour le coup, c'est. Ah, je me suis fait cramer. Il fallait bien. De toute façon là il faut y aller bourrin, faut que je détruise les machins mais c'est quoi, c'est toujours stylé de faire ça en mode infiltration. Attendez. J'ai bien vu ce que je dois faire, hein. Je vous rassure les amis, cette fois-ci je suis pas con. J'aimerais juste terminer. Voilà. Il reste encore un ennemi. Apparemment. Mais je sais pas où il est. Donc c'est très bien. Ah non, il y en a encore d'autres. Ah bah je suis con moi. Voilà. Ok du coup. Et bah c'est parti. On va s'amuser tout simplement.
Hop. Regardez bien. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Dieu, homme de merde. Dur homme, des femmes de la bière, nom de Dieu. On n'a rien trouvé de mieux. Allez, c'est bon. On fait tout péter ici, c'est chez nous. Oh, il est malade. C'est mieux que de faire une thérapie. Oh, ah oh wesh. Malade. Bon, on va y aller au RPG, hein. Toujours sympa. Bon, l'avion, il est pas content maintenant. L'avion, il est pas content. Comment je rentre? Comment je rentre? Là. Là. Magnifique. Hop. C'est pour Bibi. Et ici. Genre, ça a pas pris. Attends, ça a pas pris là. Fous de ma gueule ou quoi? Fous de ma gueule. Ça, c'est pour toi, Tania. Représente. Représente. Oh, il y a du vin là, vous croyez? Attendez, on peut monter. On peut monter. On peut pas monter. Ok. Maintenant, faut que je sorte de ce merdier. Parce qu'il y a tout qui prend feu. Ah, voilà, je vais récupérer ça. Je peux sortir par là. Attaquer la distillerie de rhum. Il y a encore des trucs à péter, genre ça par exemple. C'est ça, hein? Attendez. Ah, c'est ça. C'est ça. Voilà. Next. Ah, voilà, objectif terminé, parfait. Une bonne chose de faite. L'usine de rhum de Maria a disparu. Et pareil pour le fric qu'elle a piqué là-bas. Excellent. Maintenant, fous-lui en plein la gueule. Sur les affiches, par exemple. Utilise du feu, des balles, de la pisse, de la gerbe, du sang, ce que tu veux. Je m'en fiche. Je vais m'en tenir aux armes. Maria doit se voir cramer. Qu'elle se souvienne qu'elle est mortelle malgré sa gueule botoxée. Ah, ça aurait été stylé en vrai de pouvoir lui pisser dessus. Bon, malheureusement, ce n'est point possible. Un officier. Ah, dommage, je voulais faire un truc rigolo. Ok, bah on va un peu détruire les panneaux du coup. Bah c'est ce qu'on a fait là d'ailleurs. On avait détruit un panneau ici. Eh ben on va continuer de se promener. On va demander une bagnole. On va demander ma bagnole. J'ai besoin d'un véhicule. Voilà frérot, je suis là. Merci frérot, merci frérot. Blablabla bla, bla, les droits d'auteur, blablabla bla, bla. Merci frérot. Merci beaucoup. Voilà. Hop. Oh bah il est mort. Voilà, il m'a livré ma voiture, il est mort. Il est mort en héros. Voilà. Allez, on s'occupe des panneaux de propagande un petit peu. Il y en a un juste ici. Parfait. Allez, c'est pour Bibi. Voilà, oh, ça fait toujours plaisir. Toujours ranger son arme par contre. Hein. Voilà. Ah, c'est vrai, je peux utiliser la mitrailleuse, mais c'est trop cool. C'est trop cool. Attendez, mais ça va être génial. Des panneaux là. Non. Là. Je pense que ça marche ça. Ah non, attends, là je vais me faire buter là. Excuse-moi frérot. Voilà. Non mais le problème, il faut que je me remette là parce qu'il y a des voitures. Et s'ils me voient avec des armes, ils vont pas être très contents. Oh, ouais, surtout lui là. Surtout lui qui arrive. Ouais, ça va être un petit peu chiant. Est-ce que ça marche de détruire ça ou pas? Je pense, hein. Allez, grouille. Grouille. Là, ils mettent la pression. Hein. Ils mettent la pression. Voilà. Ça servait à rien. Ça faisait pas partie des panneaux de propagande. Ouais, bah oui, il faut qu'on s'occupe de Maria Marquesa. Donc là, j'ai bien confirmation. Fallait que je vérifie. Alors, on va passer par là. Là, genre ça c'est le dictateur, on va pas s'en occuper. Alors, là, j'en ai une.
Ah voilà, je parais suspect de ouf. Tu m'étonnes. J'ai failli me faire fumer là. J'ai failli me faire fumer. Voilà. 70%. Encore un ou deux panneaux et ça devrait être bon. Oh, ils font demi-tour. C'est pas moi. Voilà, je te jure. C'était pas moi. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Allez, le petit drift. On va essayer de se sauver. Voilà, et on fait demi-tour. Ah, je suis de retour à la case départ, les gars. C'est trop drôle. On est de nouveau à la distillerie. Bon, j'ai le panneau en joue. Hop. Merde. Maria doit commencer à se sentir abandonnée. Bah, j'espère bien. C'est le but. Je sais qu'il y aurait d'autres panneaux là. On va aller par là. On va aller par là. Et on va bien voir. Là. Bon, j'espère qu'on va vite trouver encore là. Bon, il y en a un petit peu partout de toute façon. Hein. Sympa cette petite balade, mine de rien. Alors je vous explique, à chaque fois que je tourne la tête, le volant tourne tout seul. Hein, donc c'est pour ça que des fois c'est un peu bizarre ma façon de conduire. Par contre là je vois plus de Maria là. Hein. Je ne vois plus de Maria. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis toujours au Novo Tarmas. Après ils ont dit les routes principales. Hein. Ils ont dit les routes principales. Bah je suis sur une putain de route principale là quand même. Je suis quand même sur une route principale. Oh il y a un poste. Attendez, il y a un canon anti-aérien les gars là. Il y a un canon anti-aérien qu'on vient de découvrir. Qu'est-ce qui leur arrive? Les gars, j'ai le droit de me promener là. Je vais me faire buter là. C'est bon. Mais quoi la cible? Ah oui, d'accord. Eh. Hey. Je viens d'assassiner son pote, il a rien capté lui. Oh merde. Il a capté. Il a capté. C'est bon, je me casse. On va péter la tour anti-aérienne. Eh regardez, ça va aller très très vite. C'est chez moi ici maintenant. C'est moi qui fais les lois, ok? C'est toujours un bonheur de pouvoir changer d'arme quand on veut. Par contre, s'il te plaît, merci. C'est un peu chiant. Hein. On va récupérer... tranquillement l'uranium. Eh, ils sont en train de me chercher, c'est incroyable. Je suis vif comme l'air. Et là, il y a un truc à récupérer encore. Voilà. Hop, ça dégage. Hein. Oh putain. Là, je suis recherché de partout, hein, mon pote. Hein. Là, je suis recherché de partout. Bon, il me faut encore quelques panneaux là pour marquer ça. Là, ils vont me fumer. Ah ouais, non mais... Là, le char, il va me fumer. Hein. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Genre, il te voit sous le pont. Genre, il te voit sous le pont, MDR. Allez. Faut que je puisse ressortir et reprendre ma voiture. Je sais pas dans quelle merde je me suis mis. Oh, je me fais attaquer par un requin, là. Ah non, c'est un... C'est un poisson... Un poisson piquant, là. Comment ça s'appelle? C'est un piranha. Rien de bien méchant. Ça picote, c'est tout. Bon, le char est toujours là. Et il me lâchera pas. Et il me cherche toujours. Je suis pas là. Bon, moi, il faut que je continue de trouver des panneaux de propagande. Hein. On y est presque. Hein.
On y est presque. C'est sympa quand même comme épisode, mine de rien, c'est rigolo. Ça change. C'est un peu plus à la One Again. Et j'aime beaucoup ça. Je vais redemander ma bagnole. Je vais choper un véhicule. Je suis là, frérot. Bon, il roule n'importe comment. Il roule n'importe comment. Merci. Voilà ton véhicule. Je suis venu aussi vite que possible. J'ai vu ça, c'est super. Merci. Merci beaucoup. Si tu pourrais couper la radio à chaque fois, ce serait formidable. Hein. Allez, encore un ou deux panneaux. Ah, c'est les plus durs à trouver, on dirait. Hein. C'est les plus durs à trouver. Pourtant, on est bien sur la route principale. Poste de contrôle. Putain, on est de retour au point de départ hein, quand même. Hein. Ah, bah on va aller par là alors. On va aller par là. Ok. On devrait trouver par ici. Bah non, on est nouveau à Esperanza. Je vérifie quand même. Hein. Mais en théorie, à Esperanza, il n'y en a pas. Je trouverai ça sur les routes principales près de Novant Armas. Ah, près. Donc peut-être que là, on peut en trouver. Attendez, là, je suis quand même vachement dans Esperanza, mais... Ça me paraît un peu bizarre. Bon, c'est une petite virée en voiture, j'espère que ça vous fait kiffer. Ça nous permet d'explorer la map aussi quand même. Oh, je suis trop con. Allez, c'est bon, je fais demi-tour. Je suis trop con. Détruisez les camions et les panneaux publicitaires. Les camions. On a fait tous les panneaux en fait. Il est con lui ou quoi? Il est complètement con. Je suis désolé les gars, je suis tombé de mon véhicule. Non mais me faites pas une embuscade aussi comment on fait défiler comme ça? Ça c'est fait. C'est les camions putain. Bien sûr. Les camions Yarano. Eh ouais, je suis un tocard en fait. Et vous je suis sûr que... Ah, je suis sûr que vous vous énervez devant vos écrans parce que vous le saviez et moi j'ai pas réagi. Je suis désolé les gars. Veuillez m'excuser. Veuillez me pardonner. Donc là, il reste plus que les camions. Et en plus, je suis sûr qu'on en a croisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça nous intéresse pas. Voilà, très bien. Et ben, on va continuer sur la route principale. Je suis un peu con quand même. Je suis un peu con. Tout ça on a fait. Ok. Là. Là les gars. Il est fou. Allez. On fait péter. C'est bon, c'est fait. 100%, c'est bon. C'est fait. C'est bon. Je me suis occupé de la propagande. Putain, t'assures. Et si on montait d'un cran maintenant? J'ai entendu dire que ces enfoirés allaient ériger une nouvelle statue d'Anton sur la place El Presidente. Il y a vraiment que comme ça qu'il peut avoir une érection. Je suis sur le coup. Merci. Et on s'arrête pas les amis, j'ai envie de vous régaler, j'ai envie de me régaler. On va détruire la statue d'Anton Castillo, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment... C'est plus qu'une déclaration de guerre de faire ça. Adieu les poules. On va détruire la statue du dictateur. Je crois qu'on l'a déjà vue en plus celle-là. Il me semble que c'est celle que je crois. On est déjà passé plusieurs fois. Mais oui. Une des premières statues qu'on a dû voir je crois. Ouais c'est par là. Là on cherche la merde hein. Et ça me plaît. Et ça me plaît. Et j'espère que vous kiffez. Cet épisode va durer je pense un petit peu plus d'une heure. Forcément c'est un peu plus compliqué pour moi avec les traitements de vidéo etc. Donc vraiment je compte sur vous pour me récompenser on va dire. Avec le petit pouce bleu et le commentaire évidemment aussi hein. Très important. Et moi j'adore vous le dire. Ça me fait vraiment trop, trop chaud au cœur. Allez, roule en sens inverse, y'a quoi? On est arrivé. Je suis à la statue. Mes balles serviront à rien. Faut que je trouve un moyen de la faire sauter.
T'as qu'à laisser parler ta créativité? Ouais. C'est magnifique, en fait, on n'est jamais allé là. On découvre un nouvel endroit. Place El Presidente. Oh, mais c'est magnifique, ma chérie. J'ai le droit d'aller dans l'eau, personne va me tirer dessus. C'est magnifique. Bon. Il va me falloir une sacrée puissance de feu pour m'en débarrasser. Bah, genre le Supremo, par exemple. Après, je pense qu'il y a différents moyens de le faire. Ok, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'aller là. Il y a des gardes un petit peu partout. Bouge de là. Non, j'ai le droit de me promener. J'ai le droit d'admirer mon leader quand même. Complètement con, lui ou quoi. Ouais, le Supremo, ça peut faire l'affaire en vrai, non? Avec le Supremo, on en a fait des choses. Hein. Et regardez, le char, il a pris ma voiture, eh. C'est gentil, il m'a ramené ma voiture. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tais-toi! Dégage! Il me parle à moi, là? Mais j'ai le droit d'être là, les gars. Mais j'ai le droit d'être là. Merde! Foutez-moi la paix! Bon, allez. One life. Falloir faire gaffe. One life, je vis ma vie. Oh. Ah là, je me suis bien chié dessus. Hein. Vous pouvez me faire confiance? Je vais pas recommencer d'aussitôt. Je suis mort. Oh, c'est quoi là? Oh oh. Y'a rien. Bonne nuit, hein. Oh putain. Je te prends en photo, hein, c'est tout. Hein. Bah sinon, ce qu'il faudrait, c'est que j'essaie le Supremo et je me barre. Je me barre direct. Je vais chercher mon plan de secours, ma voiture. Hop. Je prends un véhicule. Et on va essayer. Si ça, de toute façon, je vais être dans la merde, donc il faut que je me barre. C'est bon, mon frère. Je cherche pas à faire des trucs bizarres. Merci. Oh, merci. Les clés sont sur le contact. De la bousiller celle-là. Oui, oui, bah je fais jamais gracias, ça moi. Gracias. Merci, gracias. On va tenter. On va tenter mon idée depuis le début que j'ai en tête. Et je suis prêt à me barrer en courant. Bien évidemment. 3, 2, 1. Ça ne marche pas. Allez, on s'arrache. Excusez-moi les gars. Oh, il rentre dans le tank et tout. Ah, je me casse. Hein. Il va vouloir bousiller la gueule. Je me casse. Poste de contrôle. Ici c'est chez nous. Très bien. On va prendre un petit peu de hauteur pour se faire oublier. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, monte, tu peux le faire. Toujours recherché, très bien. J'avais pas vu ça comme ça. Allez, ciao bambine. Ouais, alors comment on va faire? Il va me falloir une sacrée puissance de feu. Alors là, je ne comprends pas toi. Comment on va pouvoir faire. Oui, toi. Les soldats cherchent nos passages secrets. On compte leur tendre une embuscade pour les arrêter. Ton aide nous serait précieuse, Danny. Ça marche. Mais ils me cherchent toujours. Hein. Hey, que tal? Très bien fait ce jeu. Ils disparaissent pas, les mecs. Ils me cherchent. Il y a un sniper là. Je suis là, les gars. Comment détruire cette statue si le Supremo ne l'a pas fait? Qui le fera? Non, mais il va pas venir nous casser les couilles jusqu'ici là, quand même. Il serait capable de nous suivre sur toute la map, hein, quand même. Il y a un hélicoptère. Il y a un putain d'hélicoptère. On a trouvé. Ah mais il est là, le sniper. On a trouvé. D'ailleurs, je vais les scanner. Impossible à scanner. Impossible de scanner un véhicule d'opération. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut tirer avec? On va voir. Le sniper, il va rien me faire.
Alors... Ah, tu vas rien faire. Vue libre, tourner, grimper, descendre. Je peux pas changer de place. Nul. Ah, c'est trop nul. Comment je pourrais faire? Comment je pourrais faire pour détruire cette putain de tour? Enfin, cette statue. Grimper, descendre. Ouais. Je peux pas tirer. Je peux malheureusement pas tirer. Je pourrais rentrer dedans. Oh, attendez. Ça me permet de voir un petit peu ce qu'il y a. Il y a peut-être un canon ou un truc comme ça ici, non? Il y a pas un canon, là? C'est trop bien fait. Ça pose des questions. Ok. C'est pas facile à la souris, hein. Je commence à m'y faire. L'hélicoptère est plus simple à contrôler que l'avion. Ouais, si, il faudrait que je vole un tank, en fait. C'est le tank qui est là, il faut que je le vole. Et que je tire avec. Alors, c'est ça que je dois faire. On a la soluce. Hop. Enfin, je pense, hein. Si c'est pas ça, on s'arrache, hein. Alors, est-ce qu'il me cherche encore? Je sais pas. Pas facile, hein. Pas facile. Bon, il n'y a qu'une seule personne ici. Ça va partir en couille, mon pote, hein. Mais je pense que ça peut bien se passer. Ça passe. Conduire. Impeccable. Voilà. Quel boss. Mais quel boss. Tania, c'est fait. Super. Cette carte va devoir aligner des millions pour refaire tout ça. À plus tard. Ouais, tu vas adorer la suite de mon plan. Quel boss. Je suis un boss. Je suis un boss, toujours aussi chiant, il ralentit. Allez, on s'arrache un hélicoptère parce que c'est trop la classe. Yalla bambina ! Dani, comment ça va ? Ça va. Voyons super. Voir. Paolo n'est plus là, Bichon n'arrête pas de pleurer, Italia est sur le point d'imploser. Je crois qu'il faut regarder la réalité en face, Dani. Maxima ce matin, ça se fout du. Je retourne au camp, je vais parler à Dani. Les abandonne pas tout de suite, là. Tu veux, Dani ? Non ! Arrête! Vous avez rien vu, les gars. Vous avez rien vu. Mais en fait, le jeu est tellement... un peu mal fait, quand même. Et franchement, on est bien d'accord que là... j'ai sauté comme il fallait sauter. Comme par hasard, je me prends je sais pas quoi. Je me suis pris une hélice mes couilles ou je sais pas. Je ne suis pas mort. De toute façon, j'ai fini la mission sans mourir. C'est juste que là, j'ai fait le Kekos en hélicoptère. Qu'on soit bien d'accord, les gars. Qu'on soit bien d'accord. Parlez à Yelena. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe des choses un peu bizarres. Apparemment, Clara nous dit que les Maximas Matanzas sont foutus. Ça, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle a dit ça. J'ai pas tout suivi, à vrai dire. Et on va fêter pour le prochain épisode avec les Yelena. Ça vous va? Enfin, avec les Morales, du coup. On va faire ça pour le prochain épisode. On va retourner chez les Morales. On a bien avancé chez les Maximas Matanzas. On s'est bien occupé de Maria Marquesa. Mais ce n'est pas fini. Hein. Je crois que la prochaine mission va nous mener au but de la fumée, hein, complètement. Comment ça va? Voyons voir. Paolo n'est plus là. Ah bah ça recommence. Bichot n'arrête pas de pleurer. Et Talia est sur le point d'imploser. Je crois qu'il faut regarder la réalité en face, Dani. Les Maximas Matanzas sont foutus. Je retourne au camp. Je vais parler à Talia. Les abandonne pas tout de suite, Clara. Comme tu veux, Dani. Ah oui, donc elle veut les abandonner, en fait. D'accord. Une enquête concernant les activités, les rumeurs de bien cachés. Très bien. Merci pour cette chasse au trésor. Allez les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cet épisode.
Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve demain pour la suite de notre aventure. Y'a plus. C'est con, hein, y'a plus de statues. Allez, c'était Mkolo, des bisous. Ciao tout le monde.